Là, comme chaque année à cette même période, avec lieu le Forum Job d'été, 11e édition cette année en 2019. C'est un forum sur une journée qui vise à regrouper un maximum d'entreprises de notre territoire qui peuvent proposer aux jeunes de Montauban et du Grand Montauban des offres d'emploi pour la période estivale notamment. Et c'est un franc succès comme chaque année parce qu'on va encore aujourd'hui avoir plus de 1 000 jeunes accueillis sur la journée avec près de 470 offres d'emploi qui seront proposées. Oui, je recherche une quarantaine de personnes pour le mois de juillet et août. On double l'effectif par rapport à l'année habituelle, enfin par rapport à l'effectif annuel. Je cherche aussi des CDI. Les postes proposés sont des postes de vente, d'encaissement, de préparation de produits, de débarrassage de salle, mais essentiellement c'est la relation avec le client. Il faut être accueillant, souriant. Voilà, c'est un métier de commerce, donc il faut avoir ces qualités-là. J'ai 19 ans et je suis à la recherche d'un emploi. C'est un peu compliqué pour la garde d'enfants et l'aide à la personne, parce que vu que je ne suis pas véhiculée, c'est compliqué. Et du coup, je vais chercher plutôt dans le commerce et tout le reste. Donc, je suis venue ici pour essayer de trouver un travail pour le mois d'août. Un peu tout. Caissière, parce que j'ai déjà une expérience de caissière. Je suis à un CDI tous les week-ends dans une boulangerie, donc caissière, ça ne me dérangerait pas. Après, mise en rayon, j'aime bien le rangement, donc ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas avec les enfants aussi, j'ai déjà de l'expérience parce que j'ai fait un bac pro aide à la personne, donc ça m'intéresserait aussi. Donc après, avoir les opportunités. Alors la FDG Don est une fédération départementale dédiée aux sanitaires du végétal. Alors par rapport au recrutement saisonnier, les débutants sont acceptés puisque nous réalisons une semaine de formation qui lui permet d'acquérir les compétences qui lui seront demandées pour chaque mission. Ce candidat devra avoir une bonne condition physique puisque 5 à 6 heures de marche en coteau, lui seront demandées et une bonne observation visuelle pour la reconnaissance de ces symptômes. Les entreprises sont demandeuses de venir ici parce que vraiment le jeune, quand il vient, vraiment quand il fait une démarche pour venir ici, c'est qu'il est déjà volontaire. Ça, c'est clairement identifié par l'entreprise et elles nous en font le retour. Donc, elles cherchent vraiment du personnel motivé, pas forcément très qualifié, parce que nous ne sommes pas sur des postes à haut niveau de qualification. Mais en tout cas, voilà, les entreprises cherchent des personnes dynamiques et volontaires. Et vraiment, c'est ce qu'elles trouvent avec les jeunes qui se présentent ici.